tout à fait normal, c'est très important. Si je dis c'est important, parce que nous sommes tous des Congolais. Hein. Nous sommes tous des Congolais. Donc la raison pour laquelle je dis que c'est important. Peu importe ethnie, que ce soit Teke, Congo, Mboshi, Mbeti, Makwayen, bon, ça ne change rien. On est tous des Congolais. Oui, c'est très important. C'est la base même de l'harmonie entre les différents groupes ethniques. C'est important. Ça préserve la paix. Hein? Le plus important, si nous vivons en paix, est qu'il n'y a pas de discrimination ethnique. C'est très important, c'est ce que nous voulons. Sans ça, c'est le chaos. Hein? Oui, c'est important parce que ça crée une cohésion, une unité entre les peuples. Ça brise même les frontières. Et ethnocentrique, c'est bien comme ça, oui. Les gens doivent se parler comme une même personne, sans considération ethnique, sans considération ni religieuse ou politique. Oui, c'est important. C'est important, c'est ce que je pense. À la nation, ça porte, ça renforce l'unité nationale. Ça renforce l'unité nationale. Quand on parle d'une nation, c'est même ça. Et l'unité nationale, c'est même ça aussi. Ça commence par là. Parce que ce qui divise les gens, c'est quoi? C'est ça, les gens se considèrent comme étant de tel département, de tel village. Où... Alors, ils se renferment dans ce carcan ethnique-là. Et ça ne crée pas vraiment l'unité. L'unité n'est qu'au bout de l'homme politique. Mais l'unité ne devait pas être faite par les hommes politiques. Mais la vraie unité, ce sont les citoyens qui la font. Par leur façon de vivre, par leur solidarité, quelle que soit leur considération ethnique ou religieuse. Voilà, donc ce sont des considérations qu'on devait bafouer parce que ça relève des mentalités attardées, normalement. En principe, c'est la base même de l'État. Parce qu'un État qui n'est pas solide, c'est même pas un État. Puisqu'un État doit faire en sorte que ses citoyens soient ensemble. Donc former le peuple en sens où la population doit vivre ensemble, en cohésion. Donc que ce soit un Mboshi, un Lari, un Teke, un Pounou. Donc tous les groupes ethniques du Congo doivent cohabiter. Parce que si la population n'est pas ensemble, l'État est fragile. Oui, c'est très important parce que même la devise de notre hymne national le dit. L'unité, travail, progrès. Donc, avoir l'unité ensemble, cohabiter ensemble avec les gens, même si vous n'êtes pas de même patois, c'est très bien, franchement, c'est très bien. Être Mboshi ou soi-disant du sud ou bien du nord, nous tous sommes des Congolais. Donc, pour cohabiter ensemble, c'est très bien, c'est un truc très bien, vraiment. Bien, actuellement, avec les situations qui se passent dans le pays, mieux vaut de vivre en ethnie, c'est-à-dire que vous soyez Mboshi, vous soyez Lari, du nord, du sud. Si on vit ensemble, ça donne de l'harmonie. Parce que si on vit dans un pays là où il n'y a pas l'harmonie, ce n'est pas trop bien. Même construire, ça serait un problème. Donc mieux vaut de vivre ensemble sans tenir compte des ethnies. Ça, ce n'est pas trop bien. Oui. Tel qu'au moment que nous parlons là, je peux prendre un exemple que moi je suis Mbiré, mais moi j'ai ma femme qui n'est pas Mbiré, vous voyez, mais je suis déjà trop bien avec leur famille, donc ça fait déjà quelque chose de bien. Parce que ici, parfois il y a des gens qui veulent que non, moi je suis Teke, je dois me marier seulement avec des Teke. Vous voyez que ça ne fait pas trop bien pour le pays. Kofana na vanjinga misusu na kacha kartye soki moteka ali mokongo ali mumbushi ali maintenant on se retrouve étranger panani biso tuta ba congolais ça prouve l'unité nationale biso tuta ici comme cause et ça les singo moteka ande kona yo congolais mumbushi ande kono congolais soko soki okoli likambo soki ko ofrequenter que mokongo te que ka mokongo motazawana. Ce que vous avez fait, il y a un bénéfice.
mais ça bien. Puis c'est ce que vous avez de différent. On voit bah macamo, mon yiga sali. On voit bah bidi oya liaka. Yo ko liago par rapport à y, oyo liak. Zandingwana. Tozaka hein? Et y division pour la politique. L'air est à Kala Tozaka qui est uni. Hein papa? Donc, ngana lia bampe. Mon bosha ko lia bampe. Ya lia nanu ngoki. Ngampe la ko lia ngoki. Puis c'est tout qu'on a place mon. Et oui, ça me la mesure mon bête. Et kova na soit na mon kongo na mon bosha puis tout ba kongo le za mabe pour une pole le longa par exemple na muteke ya joma na kona ko ende kona muteka kwa lika. Ne mon bosha bien mon kongo kwa lokotanga. Et kwa za mabe puis tout ba kongo le.